date de cela bien longtemps, en 1829, des Indiens de la tribu Osage. Il s'agit d'une tribu qui appartient à la grande famille des Sioux, qui était partie de l'Oklahoma 2 ans et demi auparavant, sont arrivés en Tarn-et-Garonne dans un état d'extrême dénuement, ne sachant comment faire pour entrer dans leur pays, et sont allés demander de l'aide à Montauban, parce qu'il y avait là un évêque qui s'appelait Guillaume Dubourg, Louis-Guillaume Dubourg, qui avait été autrefois évêque de la Louisiane et avait envoyé des missions évangéliques chez les Indiens Osage. Donc ils connaissaient l'évêque Dubourg et ils sont arrivés par le sud de la France, par Toulouse, par Avignon d'abord, par Toulouse ensuite, ils sont arrivés donc à Montauban. Ils sont allés à la maison de l'évêque, à l'évêché. Et là, l'évêque Dubourg les a accueillis d'abord et a fait faire des quêtes dans tout le diocèse, a demandé des subventions à la mairie de Toulouse, à la mairie de Montauban aussi, pour permettre leur rapatriement. Donc ces Indiens sont entrés dans leur pays et ensuite ont raconté aux générations successives ce qu'ils avaient vécu. Et ainsi, l'histoire s'est transmise par tradition orale. Donc nous avons repris contact, quand nous avons découvert cette histoire, avec la tribu. Nous leur avons proposé des échanges culturels. Ils ont accepté ces échanges. Ils sont venus une première fois, nous sommes allés à leur rencontre. Ils sont revenus et régulièrement nous avons ainsi des visites. Nous avons élargi nos contacts à de nombreuses tribus. Nous sommes actuellement en contact avec peut-être 25 tribus. L'association s'appelle Oklahoma Occitania, Okeok, ce qui veut dire Oklahoma, la terre de l'homme rouge. Occitania, c'est le pays où l'on dit Ok pour dire oui, le pays des Occitans. Et c'est une association, comme son nom l'indique, d'échanges culturels entre les Occitans dont nous faisons partie et les Indiens d'Amérique. C'est un véritable génocide qui commence. Et les Indiens considèrent ceci comme une véritable invasion barbare. Tous les gens qui viennent d'arriver, si nous devons lever le verre aujourd'hui, levons-le pour saluer Okeok et nos frères indiens. Si l'on s'est adressé à Saint-Nicolas, c'est parce que la motte Cadillac a vécu avec les Indiens et a commercé avec les Indiens et a d'ailleurs permis notamment les mariages mixtes entre blancs et indiens qui étaient interdits à cette époque. Et donc il y a eu une relation indirecte. Voilà, donc nous allons donc lever le verre à la réussite de cette journée dans sa totalité. Mes chers amis, buvons. Et celui-ci est en signe de reconnaissance pour le travail d'Okeok. Thank you.
Nous avons offert une dizaine de terres dans toute l'Occitanie, pyrénéenne, midi-pyrénéenne, à nos amis indiens, à environ une dizaine de tribus différentes. Nous estimons que partager notre terre, c'est aussi un moyen de leur ouvrir les bras et notre cœur. C'est un symbole parce que d'abord nous rendons un petit peu de ce que nous avons obtenu quand nous sommes allés, plutôt nos ancêtres sont allés chez les Indiens. Recevons à Saint-Nicolas sur le jardin dont la municipalité a fait don le 13 juillet 1992, comme le confirme cette stèle qui est là. Je remercie ici Okeok pour son travail qui associe nos deux cultures dans un même combat que la civilisation moderne, trépidante, avait déjà rangé dans l'appellation péjorative de patois ou de dialecte. Voici donc le don de terre dont nous pouvons être fiers. Il concrétise les valeurs, le respect que vous portez à la terre-mère. La terre enrichie de vos ancêtres, votre terre nourricière. Chers amis indiens, je vous aime. Saint-Nicolas vous aime. Je voudrais exprimer sa gratitude envers le peuple occitan qui est le premier peuple à avoir donné sa terre à la nation Kiowa. So we trailed him and his warriors and we wiped them all out. Donc ils sont fiers de la résistance indienne qui s'est développée durant ces siècles passés et en guise de pour commémorer cela, il faudrait interpréter maintenant un chant indien au nom des nations Kiowa, mais représentant toutes les autres nations, y compris les deux nations qui sont présentes ici, nation Choctaw et Seminole. So, this is what we'll do at this time. Il va vous présenter ces guerriers culturels, hommes et femmes. Il va vous présenter des milliers d'années de culture. C'est donc pour nous un grand honneur de le recevoir. Thank you.
family to touch us, and then I want these people. Toujours chez eux, il y aura une place de choix pour une flotte de drapeaux occitans. Always, there will be a place at our home. The Occitan flag flies at our home. Bravo. Ça fait chaud au cœur de voir une salle aussi comble en un jour aussi important que ce 18 avril 1998. In a foreign land and see something that honors my tribe. Pour lui, le don de terre est très important parce qu'il a du sang Choctaw dans ses veines justement. Alors, cette terre qui a été donnée aux Séminoles et aux Choctaw, eh bien pour lui, ça a été plus qu'une surprise. We're always in good relations. I think it's a wonderful thing that you remember our people. Non, c'est la plus grande offrande qui puisse leur être faite parce que chez eux, jamais on leur a donné de la terre. Au contraire, on leur en a pris, si bien qu'ils en ont à peine aujourd'hui et qu'un jour ils n'en auront peut-être plus. Soon we will have no land. Well, there's not just one thing. I love everything about being here. C'est que les gens sont vraiment très accueillants et que la contrée est vraiment belle. Hein? Sinon, ils ne trouvent rien d'autre à dire. C'est merveilleux, tout simplement. La population de Saint-Nicolas apprendra sans doute que un don de terre est symbolique et que ce symbolisme-là nous rapproche de la culture indienne et nous rapproche aussi de certaines notions d'écologie que nous avons à l'heure actuelle et que nous voulons intégrer.